Les jeunes Maliens sont retournés en classe à Bamako et dans ses environs ce lundi. Leurs établissements étaient fermés depuis jeudi. Le gouvernement avait justifié leur fermeture en dénonçant une dégradation de la situation due aux manifestations. Selon des témoins, des élèves et des étudiants avaient participé à ces manifestations réclamant des concertations sur la transition au Mali et la libération du nord du pays. Le lycée français de Bamako, en revanche, était fermé ce lundi par mesure de précaution. La capitale malienne abrite quelques 6000 Français exposés au risque d'attentats et d'enlèvements. On est toujours dans cette attente permanente, donc c'est vrai que ça crée quand même de l'angoisse et de l'incertitude. On ne sait jamais, on espère que maintenant que enfin l'intervention a commencé, rapidement les choses vont rentrer dans l'ordre. La France recommande fortement à ses ressortissants de quitter provisoirement le Mali si leur présence n'est pas indispensable. D'après des médias français, très peu d'entre eux ont décidé de partir. Directive qu'on nous donne. On est venu voir un petit peu.